Bonjour à tous et bienvenue dans 5 minutes chrono. Je vous emmène dans cette vidéo de moins de 5 minutes à la découverte des mystères des pyramides de Gizeh, ainsi que de comprendre pourquoi elles ont suscité et continuent de susciter de nombreux débats parmi les archéologues et les chercheurs depuis leur découverte. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu en appuyant sur l'hologramme juste en bas à droite. Sans plus attendre, c'est parti. Les pyramides de Gizeh, situées en Égypte, sont l'une des 7 merveilles du monde antique et sont considérées comme l'une des structures les plus complexes jamais construites par l'homme. Elles ont été construites il y a environ 4500 ans et mesurent 146 mètres de haut, ce qui en fait l'une des plus grandes structures jamais construites à l'époque. La complexité de la construction des pyramides de Gizeh vient en grande partie de la taille et du poids des blocs de pierre qui ont été utilisés pour les construire. Les blocs de pierre qui ont été utilisés pour construire les pyramides pesaient en moyenne 2,5 tonnes, mais certains pesaient jusqu'à 80 tonnes. Il a donc fallu soulever et mettre en place ces blocs de pierre massives, ce qui a été une tâche extrêmement difficile et complexe. Et c'est ce qui est au centre des débats chez les archéologues et les chercheurs depuis de nombreuses années, notamment en raison de leur taille impressionnante et de la complexité de leur construction. En outre, la construction des pyramides de Gizeh a également été complexe en raison de la précision requise pour aligner les blocs de pierre et pour s'assurer que la structure reste solide et stable. Les blocs de pierre ont été taillés de manière très précise et ajustés de manière à s'emboîter parfaitement les uns dans les autres, ce qui a rendu la construction des pyramides encore plus difficile et extrêmement impressionnante en raison des outils disponibles à cette époque. Si les ingénieurs sont tous d'accord pour reconnaître la précision au millimètre près de cette construction et la prouesse technique dont les Égyptiens de cette époque ont fait preuve, il n'en reste pas de même pour les archéologues et les chercheurs. En effet, les matériaux de construction et les moyens utilisés à la réalisation de ce chantier colossal ne font pas l'unanimité et suscitent encore aujourd'hui de nombreux débats. Il y a de nombreuses théories sur la façon dont les pyramides ont été construites, comme par exemple l'hypothèse qu'elles ont été construites grâce à l'utilisation de technologies avancées, qui n'ont pas été retrouvées jusqu'à présent. Certaines personnes ont même avancé l'hypothèse que les pyramides ont été construites par les extraterrestres ou des civilisations antérieures, comme le prétend Elon Musk, même si cette hypothèse paraît moins probable. D'autres personnes ont avancé que les Égyptiens anciens ont utilisé des leviers et des contrepoids pour soulever les blocs, tandis que d'autres ont avancé l'hypothèse qu'ils ont utilisé des rampes en spirale pour les soulever, même si aucun de ces outils n'a été retrouvé. Cependant, la plupart des archéologues et des chercheurs sont d'accord pour dire que les pyramides ont été construites par les Égyptiens anciens eux-mêmes, bien que la façon exacte dont ils ont accompli cette tâche reste encore un mystère. Il est généralement admis que les pyramides ont été construites en utilisant des blocs de pierre qui pesaient plusieurs tonnes chacun et qu'elles ont été élevées grâce à l'utilisation de rampes et de cordes pour soulever les blocs en place. Malgré toute cette théorie, il n'y a pas encore de preuves concluantes sur la façon dont les pyramides de Gizeh ont été construites. Et de nombreux archéologues et chercheurs continuent de travailler pour essayer de percer le mystère de leur construction et de comprendre comment ces structures imposantes ont été érigées. Les pyramides de Gizeh continuent d'être l'un des sites archéologiques les plus énigmatiques et les plus fascinants au monde, et il est certain qu'elles continueront de susciter de nombreux débats et de fasciner les gens pendant de nombreuses années encore. En résumé, les pyramides de Khéops ont suscité de nombreux débats parmi les archéologues et les chercheurs en raison de leur taille imposante et de la complexité de leur construction. Bien que de nombreuses théories aient été avancées au fil des ans, il y a encore beaucoup à découvrir et à apprendre sur ces structures fascinantes. Cette vidéo touche à sa fin. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses des pyramides de Gizeh. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu et à nous suivre sur nos réseaux Twitter, TikTok et Insta où nous postons régulièrement des informations et des actualités complémentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir notre vidéo sur le paradoxe de Fermi. Sur ce, ciao ciao l'équipe et à très vite pour de nouvelles vidéos.